suis venue aujourd'hui dans le cadre des vacances apprenantes pour observer ce qui se fait ici sur la commune et en particulier avec l'Académie Diomède et donc le lien entre le sport et l'éducation nationale. L'Académie Diomède, c'est simple, c'est un triple projet scolaire, sportif et social qui accompagne des jeunes de la 6e à la terminale. C'est à travers des programmes périsportifs, à travers des programmes citoyens, c'est concilier les études et la pratique de leur sport, de leur discipline, en l'occurrence le football favorite, avec la même intensité. Alors j'ai vu déjà beaucoup de bonheur dans les yeux des jeunes que j'ai vus et en atelier ici au sein du collège et avec le ballon. Donc ça déjà pour nous c'est extrêmement positif. Des encadrants aussi qui sont passés par l'association et qui finalement eh bien, souhaitent aujourd'hui transmettre ce qu'ils ont appris. Donc ils font valeur d'exemple pour ces jeunes des quartiers. On est sur un temps de vacances, pour autant on a un travail qui se fait de façon plus ludique. Et puis c'est l'occasion aussi parfois de découvrir du sport ou une activité culturelle. Et donc c'est le lien entre les deux qui crée justement eh bien, ces vacances apprenantes. Et donc là on est au cœur de ce que l'on cherche à mettre en place. On a fait un partenariat directement avec Grandchamp, avec Madame Felquin, pour pouvoir justement apporter notre savoir-faire. Il y a des échanges, encore une fois je dis, on a des kits pédagogiques, on a une méthode, donc il y a des échanges qui se font avec les éducateurs pour mettre la méthode en place, et à travers un discours, à travers un état d'esprit, à travers une philosophie, et pour uniformiser sur les différents sites qu'on aura sur l'île de France, puisqu'on actuellement est sur 5 sites, pour uniformiser la même méthode. Donc là vous venez de signer une convention. Et donc cette convention, on a déjà commencé depuis un an, le fonctionnement, mais administrativement, avec la période actuelle, c'est pas simple. Donc on a officialisé la convention.